C'est une vidéo pour pour vous présenter le site de vidéos, de cours. J'ai un site où il y a pas mal de vidéos, il y a plus de 200 vidéos. Donc ça permet aux joueurs qui font partie du club de pouvoir se perfectionner plus vite. Et voilà. Donc comment y accéder? Donc ce site s'appelle Génération VIP. Vous pouvez sur le site de Génération Échecs cliquer comme ceci sur Génération VIP. Hein, donc là sur l'onglet. Et vous allez pouvoir comme ça accéder à cette page. Et ici, cliquez ici. Hein, voilà, vous cliquez ici. Alors pour l'instant, hein, il est en accès libre. Mais plus tard, on vous demandera un mot. Un nom d'utilisateur et un mot de passe. Alors, il faudrait que vous les choisissiez vous-même. Hein. Je vais envoyer un mail. Vous me donnez chacun un nom d'utilisateur, un mot de passe, et après, je vous enregistrerai quand j'aurai tous ces mots de passe et ces mots de passe. Eh ben, je fermerai le site. Il sera en accès privé. Alors, voilà. Donc, vous obtenez ici cette page. Bon, vous n'avez pas les fonctionnalités qui sont là, parce que ça m'est réservé en tant qu'administrateur. Mais vous avez donc, voilà comment se présente le site. Vous avez ici, vous voyez, tout un tas de petits articles alors, qui montrent les dernières vidéos sorties. Alors, beaucoup de joueurs se trompent et pensent qu'il faut qu'ils regardent les dernières sorties. Alors, ça, c'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez les regarder. Hein, mais ce qu'il faut, surtout pour les nouveaux qui arrivent, utiliser plutôt là, le menu. Hein, vous avez un menu, 5 menus avec plein de sous-menus. Donc, bon, vous cliquez dans les sous-menus, hein, parce que là, si vous cliquez sur ouverture blanc, il n'y a rien. Alors, vous avez les deux premiers menus qui sont quand même plus techniques, hein, qui sont plus dédiés aux ouvertures, donc qui sont quand même plus pour les joueurs déjà qui ont de l'expérience, hein, qui ont déjà un certain niveau. Bon, vous pouvez, hein, on en reparlera en cours. Donc là, vous avez un menu où c'est les ouvertures conseillées pour les blancs. Donc je conseille donc vous voyez, quand je clique, on va arriver à une page où voilà, où il y a des vidéos qui sont rangées par suivant les réponses des adversaires, suivant les systèmes choisis, enfin bref. Et voilà, et vous avez la même chose pour les noirs. Alors moi, ce que je trouve plus intéressant pour les joueurs, ce que je conseille vivement pour les joueurs qui commencent, c'est surtout par exemple le milieu de jeu et les finales. Hein. Et on verra après aussi les grands champions et analyses de parties. Alors, dans le milieu de jeu, vous allez trouver des vidéos attaque de maths et les thèmes tactiques. Alors ça, c'est vraiment celle qui vous concerne. Enfin, les joueurs au début, par exemple, cliquons sur attaque de maths. Donc vous voyez, vous avez là une vidéo sur les principaux tableaux de maths. Hein, et également, vous avez des exercices. Alors, quand vous cliquez sur une vidéo, par exemple, je vais cliquer ici sur cette vidéo, surtout une vidéo d'exercice. Bon, la vidéo va se mettre en route. Je la mets en plein écran, hein, comme ceci. Et là, on peut vous poser des questions. Hein. Je vous poserai par exemple une question, là, comment les blancs jouent et font échec et mat. Et là, à ce moment-là, il faudrait que vous cliquiez en bas à gauche sur pause pour arrêter la vidéo. Ce qui vous permet de réfléchir et d'essayer de trouver la solution. Vous voyez, on voit bien l'écran reste quand même assez net. Et dès que vous avez une idée, si vous êtes épuisé, vous pouvez arrêter, et vous remettez en marche et vous aurez la solution. Hein. Et de manière générale, des fois, on peut, même si ce n'est pas une vidéo d'exercice, on peut s'arrêter pour réfléchir ou revenir en arrière. Hein, évidemment, grâce à ce curseur, vous pouvez vous balader dans la vidéo et voir un petit peu où on en est. Voilà. Donc après, quand je veux quitter la vidéo, je quitte le mode plein écran. Voilà. Donc vous avez donc ce milieu de jeu qui est très intéressant. Donc je vous conseille attaque de maths, thème tactique également. Les thèmes tactiques, c'est très important, hein, ça vous permet de vous exercer. Vous avez également, ensuite, vous avez en deuxième, je conseillerais également les joueurs, les grands joueurs, surtout Morphy. Regardez les parties de Morphy parce que j'ai fait un travail, j'ai pas eu le temps de faire pour tous les joueurs encore, hein, c'est long, le site se monte petit à petit. Là, vous avez une petite biographie de Morphy avec ses parties les plus importantes commentées dans des vidéos. Voilà, donc ça, je vous conseille vivement de le faire.
Et vous avez également, alors ça c'est très très intéressant également, l'analyse des parties des joueurs du club. Alors vous, si vous n'avez pas encore fait de compétition, vous n'en avez pas, hein, mais voyez que là, un certain nombre de joueurs ont déjà des parties. Hein. Alors si je clique par exemple sur Yanis ou bon, tiens, prenons David, eh ben, vous allez accéder aux parties de David. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que c'est des parties qui sont jouées contre des enfants, contre d'autres enfants, contre qui vous pourriez vous également jouer. Hein, c'est des compétitions auxquelles vous allez également participer. Et donc, ça montre un petit peu des parties de votre niveau, disons, plutôt que de voir des parties de tout le temps, des parties de champions. Ça montre un peu comment la théorie peut être mise en pratique. Voilà. Donc, je vous conseille de regarder régulièrement des vidéos. Hein, prenez votre temps. Une vidéo, quand on l'a vue, on peut la revoir. Hein, c'est comme, il y en a qui, surtout sur les ouvertures, elles sont très très dures à assimiler. Il faut passer beaucoup de temps. Et alors, un autre moyen également de recherche, en dehors, donc vous avez ce menu plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des menus, comment dirais-je, des petits articles pour signifier toutes les nouvelles vidéos. Vous avez un petit bouton recherche ici ou ici. Hein, donc, si vous cliquez dessus. Vous pouvez rechercher ce dont vous avez envie. Par exemple, si je. Bon, admettons, hein, je tape Gambit du Roi, qui est le nom d'une ouverture connue. Voilà. Je tape Gambit Roi et je fais Entrée. Voilà. Et là, donc, on me donne tous les résultats, tous les endroits dans le site où je parle de Gambit Roi. Et vous voyez, ça peut être aussi bien des parties théoriques, comme là. Là, on arrive sur une partie théorique, mais ça peut également, et c'est ça l'intérêt de faire des recherches comme ça, on peut également le trouver des parties de joueurs. Vous voyez, là, on voit c'est Yanis qui a joué un Gambit du Roi. Ça peut être vrai pour des thèmes tactiques, des fois, ou des thèmes. Voilà, donc là, on peut voir la pratique. Donc, c'est intéressant d'utiliser cette recherche si vous cherchez quelque chose. Bon, évidemment, il ne peut pas tout y avoir. Hein. J'en suis qu'à 200 vidéos. Petit à petit, je vais en inclure des nouvelles. Voilà. Donc, ben voilà, c'est une présentation de vidéo. Regardez-en. J'espère que vous avez compris à peu près comment marche le site. J'insiste. Hein, donc, milieu de jeu, vous plutôt consacré au milieu de jeu. Les finales également, ça peut être intéressant, surtout les finales de pions. Les finales de pions également, hein, c'est la base du jeu. Donc, regardez également les petites vidéos. Et voilà, hein, regardez-en au moins une par semaine. J'essaie qu'elles ne soient pas trop trop longues. Elles sont 20 minutes. 30 minutes, des fois je déborde un petit peu, mais prenez le temps de les regarder, ça vous permettra de progresser plus vite. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.